Oudlandé na YouTube na Melo TV. Oudlandé na YouTube na Melo TV. Melo TV. On va tout balander, puis on va dans YouTube. Yé donc. Ok. A on l'aise ça les camps. C'est Melo TV. Another one. Bienvenue na chaîne Nabino Melo TV. Melo TV est la chaîne Nabino Oyo et Chela Nabino wa vidéo nyon sur ça la buzz na internet. En tout cas, buzz ça na internet. Buzz ça na internet. Avant même de commencer, vous allez m'excuser un peu par rapport à ma voix, j'étais un peu malade. C'est pour cela peut-être vous remarquez que bah live exacté, on parle pas assez pour notre artiste, c'est parce que moi personnellement j'étais malade. Voix nano zungi pena 100% mais quand même l'urgence oblige, inonce bi concert à l'ENF, inonce bi discours na one. En tout cas, je pense que là où tu es, tu te poses la question, tu dis, mais Melo, oh, one est l'ingé l'obanine les sous. En tout cas, one est une organisation, moko est une non-profitable organisation. En tout cas, one est une ONG, en tout, et où tu es nominé, inonce bi en tant qu'ambassadeur pour plaider le problème du manque d'emploi des jeunes en Afrique. Donc, ma titre, wana. Je vous dis que non, au pena, dès la guisara pena que non, l'artiste est sollicité, l'artiste est aimé, l'artiste a des valeurs, l'artiste est considéré. ONG Oyo eza pena ou ya malukute, ONG Mama Kangambila, ONG Pesara Fufu na Bawei, ONG Kabela Kaserke na Bato Bakoufeni Nanzela, te. Wana ONG te. ONG Oyo, eza ONG so ki parana makambo e bele na Afrique. Pe na poto. Toza na ba makambo logo la na Afrique, basa na makambo logo la ba sida. Malaria, avortement na ba jeune. TB, global warming, changement climatique. Et loko e bele baza partout et na minute oyo African Development Bank et où tu go voter budget moko boye oyo balingi sikoyo baba nda ko former ba jeune ba comme ba jeune africain ba comme ba entrepreneur. C'est une façon aussi de couvrir gap wana oh séparation entre ba jeune bazo jwa misala te, il n'y a pas des emplois en Afrique pour na ba jeune. Alors ba jeune ba comme na tendance à quoi immigrer à l'étranger. Mais, dans ma jeune Nyosuana, ma pony Inosbi a représenté Bango, a plaidé pour Bango, et pas y a ma président Mboka na Bango. En tout cas, Inosbi, vraiment, avec tout ça, tu verras un monsieur comme ça qui passe à la télé pour te dire Inosbi a un succès. Oui, Inosbi a un succès. La dernière fois que je viens ambassadeur, il avait du succès. Dernière fois, je suis comme ambassadeur, ça a un succès. Yo, ata ambassadeur, ya manzanza na carte na bino, ba vota yote. Ata ambassadeur, ya ba tupena keno, balataka ba jaketa malili na kacha moi, ba vota ka yote. Oh, ambassadeur, ya boye boye, ba vota kaka yote. Si ko yo olega na télévision, ou ya ko critique ino sbi. Moutou azo komaka bangote ou vote sou ambassadeur. En tout cas, il y a un moment donné, total à Rhinosbi, biso to ponaye, biso to lingaye, biso to lingaraye, total à Moussika Tolobi, non, ah, Moïse à Congo. Et de biso, non, on laisse à biso, bouzo, bagnoso, oyo. Et par là, je tiens aussi à vous informer que non, fallait pour pas bêtis son piaka, na concert Moura Souka, na États-Unis. En tout cas, nous avons attendu à vous faire la vidéo, mais na ebis bino rara. En tout cas, ah, mawa. Mawa. Et bah, tu m'as dit que tu as dit que tu as dit non. Petit moustique, Asale Makelele, obengi si ke black na Congo. Obengi si, soki nani, petit moustique, obayimba na E500, comme on dit, Jani soki nani, wana na Kinshasa. Mais après tout ça, obeti soukampiak. À part qu'après qu'on kabela batu ba tike ya ofele, na compétition Vodacom au PC 200 et quelques billets na bato wa gagner la compétition au monango wapi na compétition muto a gagné 200 billets bato ba gagner ba 200 billets ba kabeli bato concert a ofele au beti pe mpiaka. En tout cas, à un moment donné, ça me fait mal.
ça me fait mal po façon au moins ici que ma bé oyo ezo sala pena que non ozana sixete ou bien au lieu ba aider au travailler mais ba média et ça le lobby que non yonde makambo simba yonde album na yo et simba alors ba retomber sikoyo eza ba mpiaka eza ba viewte. Ah, Mousselou, nous tenons à vous signaler que Mousselou, dans 3 semaines, est bête 1 million. Mais il y a un clip qui a été fait par l'artiste qui a été Congo, à Petit, à Moustique. Il y a un clip qui a été fait, ça fait 3 mois, et il y a un 1 million. Mais dans mon avis, sur Internet, il y a un que non, Ferregola et son petit, Tilelo, il y a un 1 million. C'est-à-dire, Maramoy Nosbi, Bolande lango na 2 semaines il faut abeta 2 millions abeta 1 million mais il y a 3 mois 6 mois kuna depuis ba clip buso bima ba sala ko ba featuring na ba Benzema ata 1 million e betite tout à fait normal bo bandoki bolingi bo cha pression mo na batu on dirait che bino makambo evanda njoka bino moko kutu bozo souffrir ba lo baka bino ke oh non Par contre, année 2022, oh yo yo, 2022, pour ma bilogue, on est en science-fiction. Mais Tinda Fly Makala. Donc, on a des moments de science-fiction. T'as la raison à Fly, parce que Fly. Non, c'est moment pour science-fiction. Et Bimi, et tout, et Zawapi. Tozeli, et Bimi, et qui? Et bien, c'est Bimi. Et Zawapi. Et Zawapi. Système à Kobangi Sabato. Ezo le kalisu soute. Système à Kobangi Sabato. Ezo le kalisu soute. Donc, tu comme on na souka. Tu comme on na souka. Le kouta est comme aussi la musique. En tout cas, n'oublions pas. Inos B vient d'être nominé ambassadeur par une organisation internationale. En tout cas, one. Another one. Hein? En tout cas, na retiens la jusqu'au na retiens lorsque vidéo oyo ser na biso ndeko na biso moi si secrétaire général ya ba griffe nyonso Yasmine Mbosi a salé le biso a expliqué one elingolo banini a expliqué biso one elingolo banini Et ça, la canine, et ça, la wapi, artiste, nini, bazana katikuna, importance, nan, ouza, nini, maramunyo, se concerne, one. Yasmine, auto expliqué, biso, nan, kontye, losko, vidéo. Bon, nan, yo, kamwa, bien, nan, osa, la bino, vidéo, moussousso. En tout cas, merci beaucoup pour Nathan, na yo, merci pour Namon, na yo, merci pour Nako, continuera toujours, ko partager ma vidéo, na biso. Inos B, aza, na conférence de presse, lobby. En tout cas, nous tenons à vous signaler que Inos B a une conférence de presse lobby. De presse, ils ont à Kinshasa, va inviter les médias news au soutenir Inos B. Et moi aussi, j'étais contacté. Melo TV envoie une personne qui va te représenter. Ozoyoka, Melo TV. Hein? Yuzaga boy, ozo soutenir mutuna yo soutenir ayete attaque. Considération mon kebapé sakayote mais ozaka wana ma fali papa ma bam get out pour kato bosanate to voter Inos B na Afrima pe na Primoud Côte d'Ivoire en tout cas bon voter na mon déjà ba vote zo kende bien en tout cas bon voter merci beaucoup à la prochaine bye Merci la technique. Avec toujours les impressions pour Michel de Jouve. Ouais, j'étais au niveau des messieurs, des directeurs de One pour l'Afrique francophone. Et mesdames et messieurs, distingués invités, à votre titre de qualité respective, je vais essayer, déjà je vous remercie à vous tous et je suis très content d'être là avec vous aujourd'hui. Et je pense que tout a été dit et tellement bien dit. Donc je vais vous épargner de mon petit discours parce que
J'essayais de temps en temps de me rassurer que nous sommes sur la même page. Je pense que nous avons tous défendu la même chose. Mais je vais souligner une phrase qui était très très importante dans ce discours. Et vous savez, en tant qu'un jeune Congolais, et chaque jour j'ai l'opportunité de passer un peu partout dans notre pays, en province, chez moi à Goma par exemple, ici dans la capitale, j'ai le privilège d'être basé ici, parce que voilà, je suis artiste musicien, et partout nous avons eu affaire à cette bénédiction venant aussi de Katanga, merci. Et en tout cas, dans toutes nos provinces, nous avons, nous jeunes, un point commun qui est les jeunes sont vraiment prêts à saisir l'opportunité d'emploi. Et la seule chose, encore une fois, la phrase que je veux souligner, nous avons tous parlé de cette initiative qui est nouvelle en tout cas et qui sera très, très, très bénéfique à notre pays, l'initiative de la batterie électrique. Nous tenons à ce que notre gouvernement, nos leaders, chaque fois, quand vous avez des initiatives comme ça, il faut que la jeunesse congolaise soit au centre des initiatives comme ça, parce que la jeunesse est dynamique, les jeunes sont forts, les jeunes ont des idées qui sont fraîches. Les jeunes ont la possibilité de, en termes d'énergie, nous sommes tous conscients que nous pouvons faire 10 fois plus en une seule journée, mais si on a le pouvoir et des idées, si on a le pouvoir aussi d'apporter ce que nous pouvons apporter. Donc c'est la seule phase vraiment que je tenais à souligner. Et merci à tous encore de nous avoir donné l'opportunité et surtout d'honorer encore une fois la jeunesse congolaise dans cette lutte contre la pauvreté. En tout cas, pour moi, personnellement, il faut nous initier chaque fois qu'il y a des grandes décisions. N'oubliez pas, il ne faut pas nous mettre quand c'est des petites choses. Voilà, petit Yonaya Koyemba, ou bien Banana Lukumpashiba, il y a un discours, mais quand c'est des décisions, nous mettre à côté. Donc, merci beaucoup. Chers griffes, aujourd'hui nous allons parler d'une vidéo qui circule sur le net concernant Inospeak qui a eu à prendre parole par rapport à la jeunesse congolaise à Kinshasa devant plusieurs représentants de l'organisme One. Beaucoup d'entre nous et d'entre vous se sont posé des questions, se sont demandé de quoi il s'agissait, quels sont les enjeux ainsi que les impacts et nous avons jugé bon d'éclaircir vos idées ou opinions. Avant de m'apesantir sur le discours de notre jeune leader, nous allons d'abord vous expliquer ou vous dire tout ce qui a trait à One, de quoi il s'agit, qu'est-ce que c'est, pourquoi ça œuvre et pourquoi Inospeak a pris part à ça. Ben One, c'est une ONG. Donc une organisation non gouvernementale à but non lucratif, donc dont le but n'est pas de générer de l'argent, qui n'est pas d'intérêt public, qui ne relève ni de l'État, ni d'institutions internationales, c'est-à-dire qu'il n'accorde pas de subventions, ne collecte pas de fonds auprès du grand public et qu'ils sont spécialement financés par des fondations et des entreprises partenaires. C'est une organisation qu'on trouve un peu partout, dont le but est de lutter contre la pauvreté et les maladies évitables. Et comment est-ce que cette ONG arrive à concrétiser son but? Eh bien, c'est au travers des actions de plaidoyer ou de campagne de sensibilisation au niveau local, national, européen et international. L'organisme One fait plusieurs pressions sur les gouvernements pour qu'ils agissent davantage en vue de lutter contre l'extrême pauvreté et les maladies évitables, en particulier en Afrique, et pour que les citoyens ou citoyennes ne puissent demander à leur gouvernement de rendre compte. Comment ils font?
ils ont des sièges, notamment à Abuja, Berlin, Bruxelles, Dakar, Johannesburg, Londres, New York, Ottawa, Paris et Washington, qui au travers de certaines équipes, font des pressions sur les gouvernements en vue de les encourager à soutenir et financer des programmes qui peuvent réellement faire la différence dans la vie des populations les plus pauvres. Ce qui veut dire que cette ONG-là est comme un pont entre des sociétés, des entreprises, des fondations, des gouvernements pour essayer d'améliorer le quotidien, le vécu des populations les plus vulnérables, des populations les plus pauvres. Et on sait tous très bien que les populations les plus pauvres dans le monde sont situées en Afrique et en Asie. Alors, ce qui est bien pour nous, les CRIF, c'est que cet organisme, au travers de ses points, ses principaux piliers ou combats qui sont la fin de la pauvreté, zéro faim, bonne santé et bien-être, une éducation de qualité, l'égalité des sexes, une énergie abordable et propre, le travail décent et la croissance économique, industrie, innovation et infrastructure, ainsi que la paix et la justice. Pendant cette journée, ils ont eu à exploiter tous les points et se sont plus appesantis sur le palier qui concernait la jeunesse, notamment le travail décent et la croissance économique, par la création d'emplois et travail décent. Et lors du discours, notre cher leader a eu à condenser tout ce qu'ils avaient dit, tout en insistant sur un point. Et nous verrons bien que Inospi, au début de son discours, a commencé à se servir de son aide-mémoire, puis à un moment donné, il s'est dit non, tout a été dit, il ne va pas embrouiller encore plus le public et il va dire les choses qui émanent de sa tête et de son cœur, ce qui est plus que bien dans le sens où nous remarquerons qu'Inosbi a une tête qui fonctionne, il est très cohérent, il est très sage. Contrairement à d'autres artistes ou à ses aînés qui n'arrivent pas à prendre position pour le bien de la jeunesse, nous remarquons qu'Inosbi a cette facilité-là de transmettre non seulement son opinion, ses prérogatives, ses craintes, ses peurs, à encourager la jeunesse et c'est pas donné à tout le monde. Si c'était d'autres personnes, on allait entendre qu'on est né, qu'on a grandi à Bandal ou du superflu, mais ça n'a pas été le cas avec Inospi. Il a pris position en parlant de la jeunesse par rapport à son vécu à Goma, à Kinshasa où il est installé, par rapport au feedback des gens du Katanga, de la jeunesse du Katanga qui était représentée par certaines personnes dans la salle. Et il a pu captiver le public. Il a pu transmettre son message de manière concise. Il a pu développer son idée. Et moi, je trouve que c'est vraiment à encourager, que c'est vraiment à applaudir, que c'est vraiment louable ce qu'il a eu à faire. Concernant One, il y a beaucoup d'artistes, musiciens de grande renommée qui sont membres de cet organisme à but non lucratif, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas payés. Si Inosbi déjà, il a donné de son temps pour venir participer, contribuer, élaborer quelque chose, défendre la jeunesse,
Moi, je pense que c'est quelque chose que nous devons applaudir. En Afrique, généralement, les gens ne s'intéressent, surtout en Afrique centrale, nous remarquerons que beaucoup de gens ne s'intéressent pas à ce genre de choses, ne s'intéressent pas à ce qui est mettre la jeunesse au devant, innover souvent. Nous remarquerons que c'est plus l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est, l'Afrique australe qui sont en train de concevoir beaucoup de choses, notamment au Nigeria, des robots, au Kenya. Ils font du recyclage de beaucoup de choses. Et nous, on est souvent mis en retrait parce que nos gouvernements ne financent, ne misent pas beaucoup sur la jeunesse. Et c'est ce que Ines B a voulu démontrer dans son discours qui était franc parlé, qui n'a pas blessé, mais il a dit des choses poignantes, qu'on ne puisse pas mettre les jeunes de côté, qu'on ne puisse pas mettre les jeunes en retrait, qu'on puisse les associer, pas seulement pour les appeler, pour venir prester, pour venir animer ou faire danser, mais que lorsqu'il faut prendre des décisions, qu'on puisse associer aussi la jeunesse, parce que comme il a dit, nous sommes forts, nous sommes encore vaillants, notre esprit est encore frais, si je dois répéter ce qu'il a dit. Et voilà. Et par rapport à Wan, en Afrique, Ines B est en train d'intégrer un cercle, je dirais pas très fermé, parce qu'il est ouvert à tous, mais beaucoup de gens ne s'y intéressent pas. Et en Afrique centrale, je ne sais pas s'il y a un autre chanteur, je ne sais pas trop, je ne suis pas trop au courant. Mais en dehors, je sais qu'il y a Diamond, je sais qu'il y a Pato Ranking, je sais qu'il y a Yemi Alade. Au Maroc, il y a Ahmed Sultan. En Angola, il y a Prodigio, etc. Alors, chers griffes, continuons de streamer l'album d'Ines B, continuons de streamer Mousselou, continuons d'encourager notre artiste, continuons de lui manifester tout notre amour, tout notre soutien. Il en a vraiment besoin dans ces moments qui sont assez difficiles pour lui, où on s'attaque à lui à tout moment pour avoir de la lumière, notamment par les chroniqueurs. Et puis on s'attaque aussi à sa compagne, la mère de son enfant, son amour. Il a vraiment besoin de nous. Je vous invite aussi à aller à son concert du 9 octobre. Et je vous dis merci et bye bye. Oglandena YouTube na Melo TV. Oglandena YouTube na Melo TV. Melo TV. On va tout balander, puis on va dans la YouTube. Yé donc. Ok. A on l'existe à l'écran. C'est Melo TV.